Bonsoir à tous. Séance hésitante aujourd'hui à la Bourse de Paris qui a perdu du terrain après l'ouverture de Wall Street. Soitec recule ce soir, pénalisé par des inquiétudes sur la capacité de la société à améliorer son bilan après la publication d'une nouvelle perte semestrielle. Séance compliquée aussi pour le secteur du luxe, avec des dégagements sur LVMH ou sur Kering. Les bancaires, elles, sont en hausse après les annonces de la Fed, qui suggèrent que l'économie américaine est assez forte pour supporter une hausse des taux. Et puis on retiendra aussi Danone, dopé par une recommandation favorable de la part de Société Générale. Sodexo bondit de 10% ce soir, les investisseurs saluant la publication annuelle du spécialiste de la restauration collective et la confirmation de ses objectifs de moyen terme. Le résultat opérationnel a grimpé de 11,9% hors effet de change sur l'exercice clos le 31 août, dépassant son objectif de 10% et franchissant pour la première fois le milliard d'euros. L'annonce d'une forte hausse du dividende et d'un programme de rachat d'actions font aussi grimper le titre. Et puis noter qu'Edenred signe la deuxième meilleure performance du SBF 120 dans son sillage. Fin de ce flash, vous avez rendez-vous demain matin à 9h30.